Rimer, Yas, ouais, on est là. Yas, c'est rime. Y'a pas de rime. Tu vas où comme ça? C'est qui? C'est moi. Ah, salut. Dis la vérité, tu vas où comme ça encore? Je vais à la bibliothèque. On a une sortie de classe tous ensemble. C'est obligé. Dis la vérité, tu vas pas à la piscine? La piscine? Non. Ah, tu sais pas si t'étais à la piscine. Oui. Tu sais pas si t'as mis ta langue dans la bouche d'un garçon. Tu sais rien, tu sais pas. Non, piscine, non, c'est un truc genre groupe scolaire, sortie scolaire. Là-bas aussi, à la bibliothèque, il y a des hommes que je respecte. Quoi? T'as rendez-vous avec un mec? J'ai pas fait le salope, moi. Parle à ta fille. J'ai pas un rendez-vous à la bibliothèque avec un garçon. C'est les gars qui sont dans la bibliothèque, papa. En plus, ils sont moches, ils louchent, ils sont bizarres. Puis des fois, ils parlent à leur balai, genre, son train. Tu vas te marier avec un balayeur moche? Bah c'est ça qu'il manque. Bah c'est bien, c'est ça qu'il manque. Tu vas rester traîner pendant des années chez moi pour me ramener un balayeur. Qu'est-ce que je veux dire à mes cousines, moi, dans la fête de mariage? Ma fille, bah, elle m'a porté un balayeur. Non, quoi? Mais Matt, t'en fais ça quand? Quoi? Bah les maths, t'as pas encore fait les devoirs de ton frère, c'est ça? Non, c'est... Si, mais il y a aussi les maths, en fait, et les maths, le truc. Déjà, je devais le rendre aujourd'hui, je vais avoir un point de retard. T'as dit que t'allais m'aider, tu m'as pas aidé. De toute façon, tu vas où? Tu vas pas sortir là, aide-moi. Je vais à la bibliothèque. À 19h, je rentre et je t'aide. À cette heure-là? Oui. T'as une sortie avec ta classe là maintenant, genre hors cours. Et tu crois que je suis teubé ou quoi? Vas-y, garde-la, t'as dit ce qu'il... Non, moi tout de suite, numéro de ta classe. Hein? Bah ta classe, elle a un numéro. J'en ai besoin maintenant, moi. C'est urgent, il me le faut ça maintenant. Je dois le rendre demain. Eh, il a besoin. Pas de bibliothèque, tu aides ton frère. Mais pourquoi? Demande à ta mère. Mais maman, pourquoi vous lui dites toujours oui à lui? Je sais pas, demande à ton père. Mais papa, c'est obligatoire, je suis obligée de y aller. Je vais avoir un point de retard, t'as dit que t'allais m'aider, je sais pas ce que tu fais, tu vas pas sortir, t'as rien à faire, aide-moi de toute façon. Je t'ai entendu, j'ai compris ton petit manège. Mais papa, non, je te jure, si j'y vais pas, je vais me faire exclure. Si l'école est exclue, moi je vais l'éclater. Tu regardes ta mère, mon avis compte pas. Mais quoi? Si elle dit oui, je dis non. Mais papa, ça... Bah oui. Parce que tu regardes ton père, parce que mon avis, moi, il compte pas. Mais waouh! Vous savez quoi? Je vais faire un strabisme. Non, je vous regarde en strabisme. Je vais vous regarder en double strabisme. Dégage. Encore là, toi? C'est bon, je vais lui faire ses maths, là. Il dit qu'il va à la bibliothèque, mais il va à la piscine. Ouais, je suis d'accord, c'est une menteuse. Quoi? Mais dis pas que je suis une menteuse. Oui, t'es une menteuse. Mais... Oui, c'est une menteuse, mais elle va pas à la piscine, puisque son maillot de bain, il est dans la chambre, là. Je vais pas à la piscine. Dégage maintenant. Mais frère, je dis pas ça devant les parents, toi aussi. Oui, remercie-moi au lieu de... Vas-y, c'est bon. Si elle part maintenant, je vais lui faire ses maths. C'est mort. C'est pas... Elle fait pas ça, toi, t'es une souillonne. Quoi, c'est mort? Tu fais pas mes maths, c'est mort. Hey, bah ok. Bah... ta sœur, elle voilà. T'apprend à apprendre. Voilà, donc ton thé, tu le poses, c'est bon. Hop, on y va, là, c'est bon, là. Putain. Toi, là. Alors, dans ma chambre. 19h pile, t'es rentré, hein. Ok, y a pas de problème. Bah, tu sais quoi, on synchronise nos... Dégage. Ok, bah ok, ça, salut. Alouah, pour quoi faire? Alouah, quoi? Ok. Maman, pourquoi? Attache tes cheveux. Juste, haram, si tu rentres pas alors. C'est moi qui vas faire monter chétan dans ma tête et je te tue. Enfin, je te tue. Compris? Tu vas me tuer, haram. Non, maman, dis pas ça. Oh, ça va, elle avait même pas de maquillage. Elle avait pas de maquillage, et où est-ce qu'elle allait comme ça avec l'éducation que tu leur as donnée? J'aurais préféré avoir 3 garçons. J'ai les boules. C'est de ma faute maintenant. C'est toujours de ma faute. Vous êtes tous méchants avec moi dans cette maison. Regarde mon fils comme il est beau. Ouais, bah j'aurais pas dû t'épouser. T'as pleuré pour m'épouser, tu m'as suivi partout pour m'épouser. Maintenant tu dis ça. Eh ben, j'aurais pas dû... Si je t'avais pas suivi, j'aurais pas eu ces gosses-là. Je sais, j'ai la solution. La prochaine fois, si t'as envie de faire des garçons, t'as qu'à faire avec des garçons.